Bonjour. Aujourd'hui, avec Michel Ranvier, nous allons faire le pampé pâteau praliné au fruit sec. Alors, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est que le pampé pâteau? Tu vas nous l'expliquer. Pampé pâteau, c'est le pain d'épices. Alors, on va faire du pain d'épices. On va faire une recette à base de pain d'épices. À base de pain d'épices. Nous avons, vous voyez, deux feuilles de gélatine, des feuilles qui pèsent 2 grammes. Il y a 2 fois 2, 4 grammes de gélatine qu'on met dans de l'eau froide. Donc, on fait une recette pour 4 personnes. On a 2, 3 cuillères à soupe de crème liquide. Voilà, 2 cuillères à soupe de crème liquide. Oui. Légèrement. Donc on va chauffer. Alors les feuilles de gélatine, oui, c'est dur. Ça va très très vite. Hein. Ça va en une seconde, deux secondes. Hein. Ça va être déjà ramolli. Alors de l'eau froide, hein, bien sûr. Hein. De l'eau froide. Regardez, voilà, c'est bon. On peut déjà mettre dans la crème. Regardez, hop. On peut même éteindre, hein, parce que hop. Voilà. En aucun cas de bouillon, de toute façon. Pas de bouillon, pas faire bouillir. Voilà. Notre gélatine est fondue. C'est bon là. C'est bon. Donc on va laisser au chaud. On a fouetté 1 décilitre et demi de crème liquide sur de la glace, de la crème nature, sans sucre, comme ça, fouetté comme une crème chantilly. Nous avons 4 jaunes. Nous allons donc ajouter le sucre. Combien de sucre? Le sucre, on met 30 grammes. 30 grammes de sucre avec 4 jaunes. Avec 4 jaunes. Et ce qui s'appelle blanchir. Voilà, donc on blanchit les jaunes avec le sucre. Ensuite, nous allons incorporer une pâte à tartiner, de noisettes, de pralinées, comme on veut. Et là, il y en a combien? Alors là, il y a 100 grammes. 100 grammes. Voilà. Hop là. Donc, qu'on incorpore donc au jaune et au sucre. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, on met le mascarpone. Alors là, on a 350 grammes. À quel moment, Michel, on met notre crème avec la gélatine? Voilà, donc là. Alors, on arrive sur la fin, on incorpore un petit peu plus délicatement. Ensuite, nous allons ajouter de la crème. Alors, la crème qu'on a fouettée. Voilà. Donc, c'est pas utile que ce soit trop ferme. Crème mousseuse. Voilà. Et ensuite, nous terminerons avec la maryse. Voilà. Voilà. Et regardez cette belle crème. On a déjà envie d'y goûter, Michel. Voilà. Alors maintenant, on peut faire le montage. On a coupé du pain d'épices, là. Il y a 2, 4, 6, hein, donc 12 morceaux de pain d'épices, des dés de pain d'épices, vous voyez, d'un centimètre, donc un bon pain d'épices. Et puis là, ce sont des morceaux d'abricots, donc la même quantité d'abricots. Des abricots secs. Voilà, donc au fond du petit bol, 3 petits pains d'épices. Oui. 3 petits morceaux d'abricots. On va donc servir cette crème généreusement. Voilà. Et on fait pareil pour les autres. Voilà, on fait pareil pour les autres. Là, c'est fini. Voilà, là, c'est fini. On va répartir la crème dans les 4. Voilà, dans les 4, voilà. Alors, on a entreposé ces crèmes au réfrigérateur hein, pendant 2 heures minimum, mais le mieux, c'est de le faire la veille. On peut le faire la veille, oui. Voilà, là, elles sont bien prises, elles sont froides. Alors, un petit morceau de pain d'épices, hein. On le coupe comme on veut, pour rappeler qu'il y en a dedans, il y avait 3 petits morceaux. Et là, 1/2 abricot sec. Voilà, là, les petites noisettes. Et 3 noisettes par petit pot. Voilà, un petit peu de sucre glace, ne pas oublier. Bien saupoudré dessus. Voilà. Voilà. Et là, on sert aussitôt. Voilà. C'est superbe, non? Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.